Aujourd'hui, on joue à Bone Lab. Bone Lab. Bone Lab. Suite de Bone War, ou du moins le tout nouveau jeu de 13 Level 0. We've all been waiting 3 years for this. The most hyped VR games of all time. Non, mais en plus, moi j'avais adoré Boneworks. Je comprends rien, je... Attends une minute, pourquoi est-ce qu'il y a des trucs dans les flashbacks qui sont pas dans l'épisode? C'est du putaclic, ça? Le portail, c'était vraiment trop beau, ça. Je passe au travers ici, mais ici, ça me fait bouger, ça me pousse. Non, mais ça vaut 40 balles, ta merde! Lab est ultra super naze. Oh. Ah, ça me rappelle des bonnes soirées, ça. Ah, ça me rappelle des moins bonnes soirées. C'est quoi, c'est un DLC de Resident Evil 4, c'est ça? Je suis pas très fan. Oui, il est pas au point ton bordel, hein. Parce que moi j'ai pas toute la journée non plus, là, donc... Ça y est. Oh. Bon, eh ben je pense qu'on l'a, notre intro. Salut les BG, c'est le grand vizir pour vous servir. Je suis l'illustre expert du métaverse, évidemment, autoproclamé. Mais je suis surtout le dieu de la chaîne Métaverse. Et aujourd'hui, on se retrouve pour savoir si c'est un jeu de merde ou si c'est drôle, comme dirait un grand des grands. Bon, même si, bon, t'as cliqué, hein, tu je pense que tu connais à peu près mon avis. Ou pas. Tu sais quoi, on va faire un jeu. On va faire un jeu, c'est... Essayez de deviner quand je suis ironique ou pas. Moi, je vais m'éclater, je vais faire mes bails, hein, parce que je pense que vous avez pas besoin d'un connard de déscolarisé youtubeur. Ouh, y a plein de gens qui sont morts ici. Pour te décider de si tu vas acheter ce jeu ou pas. Moi, je vais juste m'éclater dessus, et puis toi, tu te fais ton propre avis. Et au pire, tu l'achètes ou l'achètes pas. Moi je m'en bats les couilles, j'ai pas de lien affilié avec celui-là, donc... Je me rends compte au montage que c'est pas forcément très très clair, donc je rajoute ces petites infos. Pour ceux qui connaîtraient rien du tout, sachez que Bone Lab, c'est la suite de Boneworks. Et Boneworks, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo VR qui a apporté des mécaniques de gameplay incroyables, de nouvelles fonctionnalités, de la même manière que Half-Life a apporté le Gravity Gun et ce genre de choses, faisant ainsi avancer l'histoire du jeu vidéo. Et c'est considéré comme une pépite, vraiment un grand classique. Du coup, forcément, aujourd'hui, ce qu'on teste, il est attendu comme le Messi. Ce jeu est vraiment attendu comme étant la Rolls-Royce des jeux vidéo VR. Voilà. Ah, et c'est développé par une petite équipe de studio indé qui s'appelle Stress Level Zero et qui est initialement composée de youtubeurs qui faisaient à l'époque des vidéos montages ultra stylées avec des effets spéciaux, de la même manière que Team Rocket Jump avec Freddy Wong. Et en gros, c'était des petites vidéos what the fuck du style Team Fortress 2 dans la vraie vie avec des Nerf Guns et ce genre de trucs. Voilà. Vous avez probablement dû voir des vidéos sans savoir que c'était eux, mais c'est des trucs très très stylés. Voilà, allez jeter un œil à leur taf à eux, ne vous abonnez pas à moi, ne faites pas ce genre de conneries, je m'en bats les couilles, et surtout ne venez surtout pas sur mon Discord. Oh. Oups. Allez, on commence tout de suite avec le jeu des ironies. Est-ce que c'est de l'ironie ou est-ce que c'est pas de l'ironie? Ah, va falloir me suivre depuis un petit moment pour capter, hein. On commence tout de suite, attention, c'est compliqué. Zelda Breath of the Wild est le meilleur Zelda qui existe. Oula. Ah oui, ok, je peux faire des tractions. Donc en gros, si j'attrape le truc et que je tire, ça me déplace. Mais ça file la gerbe de ouf, en fait. Ok. Ça, c'est le menu, ça. Ouais, par contre, que tout soit en anglais, c'est un peu galère, hein, je vais pas mentir. Ok, donc là, j'ai accès à tout ce qui est inventaire. Ouais, bon, allez. Ça allait où? Ah, c'est là-haut. Ok. Ah bah oui, il y a une flèche. Ok. J'ai l'impression d'être tout petit, hein. Tout me paraît immense. Bon, c'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu, hein. Non, j'aime bien les petites loupiottes, là, les petites loupiottes de couleur, c'est pas mal. Ah oui, j'ai rajouté un système de stabilisation, hein. Oui, bah oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2-3 fragiles qui tombaient sur mes vidéos, alors comme ça, ils arrêteront de faire leurs pleureuses, les petites pleureuses. En pas déconnant, parce que j'ai autre chose à foutre que de lire vos commentaires de... Mais, ça donne envie de vomir la vidéo, mais bien quand c'est de la VR, mais genre, ouais, quand est-ce que tu mets de la stabilisation post-prod? Corentin, tu me casses les couilles! Ah bah génial, elle est passée à travers la map. Ça fait littéralement 30 secondes que j'ai lancé le jeu, il y a déjà des bugs. On est où là? C'est une alpha ou c'est un jeu vidéo fini? Alors, ah bah non. Prends une petite douche. Ah oui. Bah je suis un gamer moi, ça fait au moins 8 ans que je me suis pas lavé. C'est vachement bien fait la douche en VR. Hein. Ça j'ai plus besoin d'en prendre dans la vraie vie. Oh là, oh là, oh ça a bugué de ouf. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Blablabla, c'est en anglais, je lis pas l'anglais putain. Bon. Ah, ça, c'est satisfaisant. Ah, ils ont gardé le truc où genre faut appuyer sur le joystick droit pour se baisser et remonter. Bon, ça, je trouve pas ça très intuitif. La clé, Perforas, la clé. Ah, flemme de lire. Hop, c'est quoi ça? Ok. Poum, 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 je suis Donkey Kong. D.K. Donkey Kong. D.K. Donkey Kong is here. Blablabla. Salut Francis, le petit café du matin. Il est 14h du matin, hein. Je suis un streamer, oubliez pas. Hop. Ah bah j'ai besoin de mon petit café pour réussir le Z-Event. Hein. C'est quoi, c'est une Pokéball ça? Pikachu, go!
suis un peu déçu. Pikachu ? Pikachu, si tu sors pas de la Pokéball, je m'occupe de toi. Attends, il y avait une flèche. C'est vrai. Ah, j'ai vu qu'il y a un objet à l'intérieur. Bon, oula. Moi, j'allais dire, je suis là pour libérer mes frères, mais en fait, peut-être pas, hein. Oula, 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 oula. Oula. Tu me fais quoi là ? Eh. Non, non, ça m'intéresse pas, moi. Hein. Non, me montre pas ton fiac. Ça ne m'intéresse pas. Ils sont bizarres, les gens ici. Même pas bonjour. Ah, je crois que c'est ça. On dirait ça. Attends, je pensais faire quoi avec ça ? Non ? Je comprends rien, je. Ok. Je vais quand même prendre Lucille. Je préfère Lucille. Ah, ça me plaît, ça. Bah, en plus, pour le coup, là, c'est vraiment la dernière saison de Walking Dead. Voilà. Ah bah. Dégage. Axio Lucille. Hé, droit à l'image. Ah bah, ça me rappelle vaguement un truc ici. Oh, il y a encore une Pokéball, mais je sais pas à quoi ça sert ça. Oh. Du coup, ça veut dire que je l'ai dans mon inventaire. Oh. Bah non, parce que j'ai ça, j'ai pas le... Elle est où mon arme? Je comprends rien de ce jeu. Je bite que dalle. Oh, là, je me rappelle de lui. Ok. Ah ouais, quand je touche la machine, ça me fait bouger aussi. Ah, ce jeu est bien bien développé. Voilà, vous voyez? Quand j'appuie sur la machine, je passe au travers ici, mais ici, ça me fait bouger, ça me pousse. Comme ça te file bien la gerbe. Ça veut dire que c'est une équipe compétente, c'est des développeurs de jeux vidéo qui l'ont fait. Ouais, vous imaginez? Ça aurait pu être des youtubeurs. Ah, parce que déjà qu'ils se mettent à faire du rap, ils vont pas en plus se mettre à faire des jeux vidéo, les cons. Ok, ces tableaux sont très jolis, pas très intéressants, mais très jolis. C'est quoi ça? Où c'est que je vais? C'est là la sortie? Wesh. Ah, t'es. D'accord. Bon bah... Timber! Hé, je me suis pété les genoux. Salut toi! Oh, t'es trop mignon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi? Et pouf! Oula! Moi j'ai fait une connerie là. Ah, c'est joli. Ok. Ok, pas dégueu. Ah mais si je lâche le flingue, il le garde pas. Ok, bon au moins c'est logique. Ah ! Crève, salope ! Alors comme ça t'as essayé de me faire peur, hein ? T'as essayé de me faire peur ! C'est mon enculé ! Voilà. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Est-ce qu'il se passe un truc si La musique est cool. J'aime beaucoup. Oh, à quoi ça sert ça? Ok, mon perso il s'est écrasé sur le sol sans raison. Ok, pourquoi pas, hein. Ah, j'entends des bruits que j'aime pas. Hey! Salut! Oh oh. Quoi? Putain, mais ils arrivent en scred, c'est con! Commencez à me pomper le. Ça suffit! Non, 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 non! Oh, pas vrai ça. Supportable. Toi aussi, hein. Tu te lèves pas, hein. Oh, oh putain! Mais ça suffit, oui! Ah! Oh putain, mais on se croirait à Châtelet ici! Un métro à prendre! Oh, ça marche pas. Le rechargement est un peu spécial. Le mouvement des mains est vraiment un peu particulier, hein, mais... Le mouvement des mains est des... Je suis le grand Thor. C'est quoi, je vais peut-être le garder. Regardez pour plus tard. Non. Ah, bah, mais c'est pas vrai. Mais il veut pas me le garder. Ah bah, c'est maintenant il veut. Y'a quelqu'un? Oh, Fantasyland. Si j'appuie, ça va se fermer encore, c'est ça? On l'a plus pour cette fois. Oh. Ah. Huitième étage, s'il vous plaît. Ah... Ok, on va bien se préparer. Ouais. Ok. Bon, c'est un peu vide. C'est un petit peu... Oh, une hache. Ça va. Ah, mais je t'ai vu, toi. Hé. Oh, il me fait voir en VR. Oh, on voit l'intérieur. C'est marrant, ça. Mais y'a rien, dans cette salle-là. Oh, hé, mais tu vas t'en aller, oui. Ça suffit. Je ne veux pas aller en VR. Ça te plaît. Oh. Et là, pour le coup, je suis vraiment tort. Mjolnir. C'est pas le bon. Mjolnir! Mjolnir? Shazam? Mjolnir? Ah. Oh putain, que des trucs possibles, ça suffit! Putain, je me fais agresser de partout là. Oh, c'est par là? Ah bah, allez. Attends, hop, hop. Wouah, eh, par contre. Wouah, c'est extrêmement précis ce jeu. Ouais. Je mets le bras ici, il me l'attrape là quoi. Ah, et là il veut faire des tractions maintenant? Non, moi je veux ouvrir. Ah d'accord. Ah, allons-y. Allez. Ah mais je peux pas. Ça servait à quoi d'ailleurs? Ah bah voilà. Ah mais ça suffit maintenant, hein. J'ai dit, vous n'avez pas ma propriété d'image. Je vais même pas péter leur câble. Bon bah je suppose que c'est dans le sens du vent, hein. Ok. Bon, c'est joli. Oh. Oh bah y'a d'autres gens. Salut. Bon, on va aller sympathiser avec les potes du quartier. Ah bah attendez, vous allez où là? Tiens, c'est quoi ça? Oh, j'aime bien. J'aime bien. Mais pourquoi tu me tires dessus, toi? Oh, ça va pas, toi, hein. Mais j'ai rien fait. Waouh, vous êtes vénère ici, hein. Et arrêtez de venir dans mon dos. Mais on pointe pas. C'est mal poli. On pointe pas les gens avec un pistolet. Oh, y a des gens qui meurent de partout ici, hein. Ah bah. Oh bah lui, il glisse sur le sol comme ça. Non mais qu'est-ce qui se passe ici, hein. Vous êtes sûr que le jeu il est terminé là? Ça, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que c'est prévu dans le jeu, ça. Hein. Vraiment pas, hein. Non mais là.
Non mais ils sont pas aidés aussi. Ah ouais, on va aller les aider parce que là ça va pas du tout. Oh là 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 là. Bon, allez, on va les aider. Bon, bah alors, on a besoin d'un chemin vers la lumière, c'est ça? Je vous la montre la lumière. Pas de problème. Tiens, hey, tu mets pas de chiffre. Ne me touche pas. Tu me touches pas. Ça suffit. Oh là, mais il est en galère, mais faut l'aider là. Aidez-le. Tu peux pas l'aider au lieu de venir? Oh là 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 là. Bon, allez, tout cul tendu. Voilà, voilà. Non, je suis occupé là. Oh. Voilà, là. Bon, vous avez tous décidé de me pourrir aujourd'hui, hein. Voilà, pourquoi je dors? Pourquoi je dors? Ok, vous voulez jouer à ça? Ouais, je joue à ça. Mais ouais, je monte les escaliers là, bonjour. Au revoir. Allez. Hop, non. Voilà, parfait. Bon, là, on est peinard. C'est rigolo, ça, c'est une référence à Portal. Ouais, c'est la fameuse. Eh oui. Me fais tirer dessus? Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah d'accord. Super. C'est pas vraiment ce que j'avais... Ah bah j'espère que t'aimes le café ou le thé, parce que putain, les temps de chargement, par contre... Waouh, qu'est-ce qu'ils sont longs. Bon, allez, j'aimerais bien sortir, merci. Ah, on est où là? Tactrial, Arena, Sandbox, Mods, Quarantine... Oh, on est dans une salle d'arcade. Parcours. J'ai envie d'aller dans la salle d'arcade. Je veux jouer à Pac-Man. Il est nul ce Pac-Man. Ah, attends. High kick. Oh, bah... Allez, mais zou. Oh, j'aimerais bien ne pas perdre mes munitions quand je pousse des objets quand même. Allez. Et où là? Oh, mais je connais ça, c'est Monstres et Compagnie. Oh, le portail, c'était vraiment trop beau ça. Oh. Ok, je suppose que j'ai pas le choix. Les effets lumineux sont très jolis à chaque fois. Hein. Très esthétiques. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça moi? Oh, ça c'est stylé ça. Oh. Je sais pas quoi c'est. Hein. Ouais, c'est chiant. Sans mentir, je suis obligé d'attendre un quart d'heure entre chaque chargement, c'est vraiment... Ça c'est un enfer ça. Bone Lab, more like Bone Load. Sandbox... C'est pas ce qu'on vient de faire le Sandbox? Ah non, c'est expérimental. D'accord, ça porte bien son nom. Sandbox ça va être pour créer des trucs, mais... Moi je suis pas un créateur, moi je suis juste un mec qui plagie des vidéos d'autres gens, donc ça m'intéresse pas. Il me semble que le terme politiquement correct c'est YouTuber d'ailleurs. Mais si tout pouvait ne pas être en anglais aussi, ce serait pas mal hein. Mais ça c'est moi ça du coup? Waouh. Hey. Bon, on va faire le perso le plus stylé évidemment. Bien évidemment. Ah bon, on le voit là, ok. Mais c'est tout? On peut pas modifier les... Non... Attends, t'es en train de me dire, il y a que 6 persos? Ah d'accord. Et 7 avec le polyblank. Mais attends, on peut modifier les trucs quand même. Attends. Non, les caractéristiques bougent là, donc je peux pas le... Ah ouais, c'est tout? Ah, je suis un peu déçu, je pensais qu'il y aurait plus de customisation. Bon, ok. Ok, bon alors j'ai compris. En fait, ici, ce qu'on a fait juste avant, c'était le tutoriel de la campagne, une partie de la campagne. Et ça, c'est la petite zone dans laquelle tu peux lancer plein de mini-jeux, plein de trucs à la con. Et je pense que ça va être mis à jour au fur et à mesure. Bon, en l'état actuel, mis à part cette musique incroyablement sexy qui essaie de me pécho, c'est le vide, ok? Il y a moins de vide dans l'espace que sur ce secteur là actuellement. Donc on va lancer le mode campagne et puis on va voir ce que ça donne. Et nous voilà de retour ici. En fait on a fait le tour du jeu, ça y est, en 2 heures. Même pas, je dirais 1h30. Non mais c'est cool hein, c'est cool, j'ai passé un bon moment, j'ai adoré la campagne. Non mais franchement, 40 balles pour un mode campagne de 2 heures et des possibles ajouts dans le futur qui arriveront au fur et à mesure. Waouh, mais il y a trop de contenu, on est où là? C'est Call of Duty ou quoi? Bon bah, on va continuer de faire mes muses et puis quand j'en aurai marre, j'arrêterai la vidéo. Hein. Bip boup, bip boup, bip boup. Ah, par contre, le fait que le mur il bouge à chaque fois que tu le tapes, c'est vraiment ça par contre. Assez bien développé, hein. Assez bien développé, hein. Stress level 0, tu m'étonnes qu'il n'y a pas de stress. Ah bah, s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de stress. C'est quoi ça? En plus, on peut faire les poubelles? Ça sert à quoi? Ça fait. Je le mets où? Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais il n'y a rien qui est expliqué dans ce jeu! Expliquez-moi! Qu'est-ce que je fais moi avec ça? Oh, mais un endroit où je dois le mettre? Ah! Ok. Et il se passe rien. Ok. Bon, et là, c'est quoi ça? Et là aussi, il se passe rien. Pourquoi ça fait vert rouge, mais... C'est ça, là? Ouais, c'est ça. Ok, alors avec ça, je peux choper des trucs. Ok. Oh. Ah ouais, mais je fais quoi, moi, avec ça? Non, mais c'est rigolo, c'est super stylé, mais... Pourquoi y a rien qui est expliqué dans le jeu? Bon, et là-bas, y a quoi? Là, il se passe rien non plus. À quoi elle sert, cette porte? Bon. Ah, si ça marche pas, c'est qu'il doit y avoir... Y a rien d'intéressant, ici, je crois. Non, bah, on va essayer le parcours, et puis on va voir, hein. Ok. Bon, ici, il doit bien y avoir un truc. Il se passe rien. Il y a vraiment rien qui marche dans le jeu. Ouais. Bon bah voilà. Hein. On a fait le tour de Bone Lab. C'était une expérience. C'était une expérience. J'ai bien aimé. Bon. Non mais c'est joli. Hein. Je dis pas c'est joli, mais
Mais de toute façon, là, la vidéo, je crois qu'on est sur les 10 minutes, hein. Donc, puis vous avez cliqué, donc là, c'est bon, le virement a été fait, donc la vidéo se termine.